Salut, bienvenue dans Protect the King, 5ème épisode. Avec un début plein de stress à l'approche du centre, prêt à récupérer la couronne qui va apparaître. Et des teams nous y attendent peut-être. Chut. C'est pas au courant. Oh regarde, ouais. Il y a du stuff là, ça c'est à nous ça. Bon, regarde ça secondes. Ah bah écoute moi bien, là il y a des petits items qui sont à moi. Ah, hein. Ah, il y a quelqu'un face à moi. C'est Jimmy Boy. Ah, c'est un embuscade, c'est une embuscade les gars. Ah non, attendez, il y a quelqu'un qui est tout seul ici. C'est pas vrai. Go, il est là, regardez, il est tout seul. Non, il est l'underpair. Le pauvre petit Ika, t'as du stuff ou pas pour nous? Donne-nous Ika, donne-nous. Ika, donne-nous. Ika, donne-tout. Ika, donne-tout. Allez. Les gars, il faut la couronne les gars. Ils sont là les gars. Ok, cours, ça sert à rien. Ouais. Non, mais on vous la laisse, on voulait juste voir si c'est allé bien, vous. On va trop perdre son boss. On est bien développé personnellement. C'est bon, ils ont laissé la couronne. Ils ont laissé la couronne, les gars. On peut prendre la couronne. Elle est où? Ika, il a pris. On tue Ika. Non. Ika, rends ça tout de suite, Ika. Ika. C'est pas gentil, on l'a laissé. Chopez-le. Alors, là, Ika, écoute-moi bien. Mec, je te suivrai jusqu'au bout de la terre. T'imagines même pas. Te la passe, tu me laisses tranquille. Non, c'est fini, tu nous as trahis. Te la passe, tu me laisses tranquille. Oh, mais putain. Vous l'avez pris, quoi. Non. Rends-nous ça. Attends, faut pas laisser relouer par contre, attends. Ça se trouve, ton roi il meurt, mec. Si ton roi il meurt, t'es niqué. Putain, merde, mec, ça serait terrible. Le roi ou la couronne? Mais mec, je me suis pris l'arbre. T'es sérieux? Vas-y. Il a l'air d'en perdre. Vas-y. Voilà. GG, bien joué. Bravo. Ouais, j'ai oublié de faire le compte de toute façon. Non mais mec, c'était marrant en vrai comme on a fait là. C'est trop drôle ce qu'il a fait. C'était pas mal. Mec, en vrai, c'est trop marrant comment t'as fait. C'était pas mal. Bah, en plus moi je pensais que j'étais parti avec la couronne, mais le pire c'est qu'en plus le truc c'est que quand j'ai voulu la prendre, j'étais full inventaire donc ça m'a fait perdre 5 secondes. Ouais. Bah bien joué mec. Ouais, GG à vous. Attends, faut qu'on retrouve. Mec, nous on se tape des barres depuis le début, c'est n'importe quoi. Il est où relou? C'est bon, on l'a eu. Tiens, ça c'est pour toi, ça. Regarde, prends ça. Eh, du coup j'ai ça, les gars. Regardez. T'as la couronne? Eh, bien sûr que j'ai la couronne. Regardez. Elle est pour qui la couronne? Eh, elle est pour qui? Bah, elle est pour moi parce que. Hein, ah bah non. Allez, c'est bon maintenant. Eh, par contre, petite info importante. Jimmy et Hunster sont full fer, non pas de stuff. Faut qu'on la ramène à la base. Donc actuellement, je pense qu'on est les mieux dans la game. Du coup, c'était super worse comme kill. On a récupéré des sharpness. Sinon, roi, j'ai du stuff pour toi, mais je te donnerai. Surtout, du coup, vous savez ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Tout le stuff, il faut qu'on le stocke dans le fameux coffre à la base. Comme ça, si jamais on meurt, on stocke le stuff des autres, tu vois. Et comme ça, en fait, nous, on se fait pas chier, en fait. C'est les autres qui travaillent pour nous, tu vois. C'est nos larbins. Tu vois ce que je veux dire? C'est les autres qui travaillent pour nous. Nous, on récupère juste et on stocke. C'est comme dans PUBG, y en a, ils lootent, comme des oufs. Et puis après, y en a les autres. Exactement. Voilà. Exactement. Non, mais exactement. En vrai, je suis sûr, les équipes d'en face, c'est le genre d'équipe à jouer en late game, tu vois. Genre, les mecs, ils vont passer leur vie dans les grottes. Et à la fin, ils vont sortir, mais ils sont bien stuff, tu vois. Forcément. Bah, en vrai, dis-toi qu'il y a déjà une équipe d'éliminés, donc il en reste plus que deux là. Pauvre Ika. Ouais, je suis désolé pour Ika. En vrai, c'était trop drôle. Tu sais, au début, je l'ai laissé. En vrai, c'est trop marrant comment il a essayé de s'enfuir. Mais le pauvre, il nous a trahi, Ika. Il a pris sa couronne, il est parti. Mais c'est vrai, parce que moi, je l'ai laissé. Par contre, attends, Frigel, tu as perdu là? Ouais, j'ai perdu. Bon, en tout cas, on est au 5 depuis 2 minutes. Oui, j'en ai deux. Attention, ouais, prends pas de risque. Il faut vraiment que tu la gardes pour pas que tu meurs. L'attaque, c'est pas. Non, mais vraiment, mais t'imagines, il t'aurait sommé d'une façon ou d'une autre. C'était chaud, hein. Yeah, t'inquiète pas, personne me sème. Bah, l'enjeu était trop gros. Ça fait trop quand je prends la grosse tête comme ça. Après, les gens ils vont croire que je suis sérieux. Après, ils vont dire. Puis après, tu vas sauter dans le vide et puis. Allez, c'est bon, il y a toujours et puis, même toute chose, la crédibilité, elle va s'envoler, tu vois. Ouais, combien de kills actuellement, Frigel? Ah ouais. Mais tu me l'as volé. Ah bah, attends, bah écoute. Ce que je disais, c'est que. Je sais plus, voilà, je dis un truc et je sais plus. Du coup c'est incroyable. Celui qui disait le truc plus intéressant c'était Roi, qui a dit on a la couronne, ce qui est quand même pas dégueu. Exactement. Moi je propose qu'on arrête de parler, qu'on écoute Roi lui, parce que finalement de nous trois c'est qui dit le truc le plus intéressant ici. C'est l'heure de la flûte. Ah ouais, exactement, c'est l'heure de la flûte. Pipo, allez. Keep pipo. Et voilà. Mec, j'ai un bah, merci. Tiens, tu sais quoi, tu la mérites. Elle est pour toi. Elle est pour j'avais toi. La danse. Tu la mérites, voilà. Je l'ai tapé pour pas qu'il le prenne. Tu la mérites. Oh, la belle couronne du roi. Ah, je la voulais. Ah, ouais, mais est-ce que tu sais jouer? Est-ce que toi, tu sais jouer comme ça de la flûte? Est-ce que toi, bah, tu sais jouer? Non. Si tu veux, j'ai l'ocarina. Prochaine fois, je fais l'ocarina. Petit air de carina. Eh, j'avoue, c'est pas mal. Franchement, ouais. Sur la troisième couronne. Attends, vas-y. Moi, je passe derrière toi comme ça, je ferme la marche. Vu que c'est toi qui as la couronne. Et on est parfait. On te protège. Bon, bah, finalement, ça se passe plutôt bien tout ça. Mais oui. Eh, ça se passe mieux que ta première saison, roi, quand même. Bah disons que là il y a des gens qui parlent autour de toi. On va pas se le cacher, c'est quand même. Bah non, super. Et puis surtout bonne ambiance quoi. C'est oui, ça on rigole, c'est ça qui est cool. On n'est pas là pour. Ah bah non, mais clairement. La première saison j'étais beaucoup tout seul. Ouais, tu m'étonnes. Là on rigole un petit peu, là c'est cool. Ouais, bonne ambiance. C'est ça finalement qu'on aime nous dans les séries, c'est pas les séries où. Ah oui, c'est les séries quand même où on gagne parce que finalement on va quand même gagner, faut pas oublier. Mais c'est quand même la série où on rigole, on joue. Voilà, on tente les trucs, c'est cool. L'action. Exactement. Et du coup, faut la poser où du coup ce truc là?
tout là-haut, je sais, plus je haut sais. Tour. Mais les cœurs, c'est plus haut tout château. De toute façon, je crois. Hey, par contre, vous avez vu un truc que j'ai noté là. Il y avait que Jimmy et Hunster, c'est-à-dire que Siphano était tout seul à la base. C'est exactement ce que tu disais. Il ne sortira pas. Donc en gros, Siphano, il est en train de faire la stratégie Roi Louis de la saison 1. Là-haut, je crois. Vas-y, montre-nous. Attendez. Il y avait pas la voix d'Hunster là. Besoin d'attendre Hunster. Ils sont peut-être nés. Vas-y, pose tout. Vas-y, on n'a pas le temps. Pourquoi j'entends la voix d'Hunster? C'est toi. Moi, j'entends rien. Ça nous fait des cœurs en plus, de toute façon. Bien sûr. Putain, je suis dans ta tête, ça fait bizarre. Attendez, moi, j'ai entendu la voix d'Hunster. Mais là, vous l'entendez pas? Bah non. Il parle même pas, gros. Il parle même pas sur Mumble. Ah, mais sur Discord. Et du coup, la couronne du roi, c'est là qu'on les met? J'entendais vos couronnes. Attends, mais attends, mais en fait, je crois, mais en fait, oui. Notre team est bug en fait. Ah, la couronne, ça a pas marché? Je sais pas, ouais. La couronne n'a pas marché. Attendez, c'est moi qui la pose. T'as absolument rien changé. Les gars, vous savez quoi? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des trucs en plus, nous? Vous savez quoi? Je la garde dans mon inventaire. Comment vous faites pour parler à tout le monde? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, déjà, il faut savoir que quand on respawn au 0-0 et pas à notre base, donc au centre là-bas. Ouais. Pour ça que Grolouille est mort en boucle. Et quand on pose la couronne ici, regarde, il ne se passe absolument rien, tu vois. Bon, voilà. Souvenez-vous de ce que je disais pendant l'introduction. Là où ces bases deviennent importantes, c'est parce qu'il y a une salle spéciale pour déposer des couronnes de roi. Mais la récompense vaut le coup. Deux cœurs en plus définitivement pour toute l'équipe par couronne. On peut donc monter jusqu'à 16 cœurs, c'est absolument énorme. Bon, après comment dire, ces histoires de cœurs en plus, voilà, vous verrez dans la série, il y a un petit truc qui est bien marrant, vous comprenez maintenant. Effectivement, notre team est entièrement buggé du début à la fin. On a donc un spawn buggé qui nous a fait perdre une grande partie de l'épisode 1, puisque normalement on était censé spawn dans le château, donc avoir direct de la bouffe avec les spawners de cochons, etc. Et en plus, les couronnes ne fonctionnent pas pour nous, et c'est moi qui ai choisi la team en plus. Non mais voilà, je suis maudit, c'est ça en fait. Mais pas de problème, on aura donc aucun avantage de vie durant cette série. Même si on récupère les couronnes, nous resterons à 10 cœurs, contrairement aux autres équipes. En soi, ça pourrait être considéré comme un malus, mais pas de problème. Ils ne veulent pas nous donner davantage, pas de soucis. Ce n'est pas ça qui nous arrêtera. Mais en fait, je pense que tu sais, je pense que c'est notre team qui est buggé parce que on réapparaît même pas dans la base. Je pense aussi parce que là, vous êtes pas censé pouvoir ouvrir le coffre. Ah, on n'est pas censé pouvoir ouvrir le coffre. Attends, j'ai plein de stuff. Vous êtes la team rouge. Rouge. Je vais voir directement la config parce que c'est la config que ça doit garder. Pas de problème, t'inquiète. Pas de soucis. Et si je trouve la location exacte, je vous la. Vous avez du diamant pour le coffre? On a looté du diamant sur les gens. Moi, j'ai vraiment beaucoup de stuff. Bah, il faut que tu diffusionnes maintenant dans l'enclume. On gère avec Neutron. Mais bon, au pire, après si ça marche vraiment pas, les deux cœurs, bon, c'est vrai que pour Frigel, c'est vrai que c'est pas mal, mais au pire, pour nous, non, moi je m'en fous quoi. C'est bah, pour... oui. Nous, on veut jouer juste le jeu pour aller au centre quoi, c'est surtout ça qui nous attire. Mais du coup, ce qui serait trop marrant, mec, c'est que si en vrai on a un bug, on change de strat, c'est quoi? On prend les couronnes pour empêcher les autres d'avoir les cœurs en plus. Et, est-ce que c'est pas la strat inverse, hein, en vrai? Attends, je suis en train de me dire. C'est mieux que rien. Moi j'ai envie de les garder sur moi, les couronnes, tu vois. Quand je tombe à terre, c'est le game breaker, c'est le mec qui gagne 3 couronnes. Non, il vaut mieux que tu le laisses en haut parce que s'il arrive à corriger le plugin, qu'on soit pas emmerdé. J'irais bien dans le Nether peut-être en vrai. Franchement, ouais. Mais bon, après il manque une pièce en diams quoi, mais... Moi je vais déposer le stuff que j'ai en rab aussi, les épées, j'ai on est bien, commence à avoir plein de stuff tout là. J'ai tout mis. Bon, j'ai en effet, il y a un problème sur le spell location. C'est absolument inacceptable. Ah, d'accord, hein, mais là... en moins 112... Ah, t'as vu? C'est pour ça qu'on est la pire équipe depuis... Parce que tout à l'heure, on faisait des blagues avec Rolou qui mourait en boucle, mais en vrai, moi je comprenais rien ce qui se passait, hein. Moi j'étais pas bien. Mais je vais aller corriger le spell, je vais vous mettre de l'eau en dessous, de toute façon je pourrais rien faire d'autre pour l'instant. Tu peux pas cette notre spawn ici du coup? Parce que du coup les autres respawnent à la base, on est d'accord les autres? Le problème, c'est que c'est le plugin qui vous fait TP. De toute façon, en plus, le spawn il va changer à la fin quand il y a la réduction. Ouais, mais par exemple, le truc c'est que nous, quand on meurt, ce que je veux dire, c'est que du coup, le coffre ici il sert à rien. Le coffre avec le stuff qu'on a. Parce qu'il faudrait qu'on le mette au centre en fait, notre coffre à nous. Bon, on va quand même la laisser dedans. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ouais, bah au pire, tant pis. Au pire, on s'en fout. On va gagner quand même. Une petite potion de soin gratuite là. Non, en vrai, sinon, si tu veux essayer d'ajouter un truc, pour nous c'est pas grave, mais si tu l'ajoutes à Frigel avec une commande, au pire, nous c'est pas grave, on s'en fout. Mais on est d'accord qu'on peut pas piller. On peut pas piller les coffres des couronnes des autres. Non, on peut pas. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, en réalité, vous avez un fake inventaire qui s'ouvre. Non, attends, moi je suis en train de me dire un truc, c'est que vu qu'attends, nous on a un truc qui est bugué. Si ça se trouve, nous on peut ouvrir les coffres des autres et on leur enlève les couronnes, du coup ils perdent les cœurs. Venez attendre ça. Non, c'est mort, mec, on va se faire ban de tous les records. C'est mort. On n'a pas les cœurs en plus, du coup. Ouais, non, c'est pas grave. Ah oui, c'est ça qu'on est plutôt pas grave. Vous savez quoi, on joue avec un désavantage. Qu'est-ce qu'on s'en fout, les gars? Moi j'aimerais bien juste avoir le plastron en diams quand même. Bah, on va nether et on fait des kills. Des kills en nether? Non, mais en vrai, c'est quoi, mec? Franchement, honnêtement, moi j'ai des. Tu sais quoi? Il y a deux d'or là que j'ai. Ah, je suis un débile profond, j'ai jeté mes yeux. Merci. J'aurais jamais dû jeter mes yeux d'araignée, je suis trop. Ah, moi aussi je les ai jetés. Bon, allez, go Nether, t'as raison. Ouais, va Nether, on va s'en. Au pire, tu sais quoi, c'est pas grave. Tu sais quoi, au pire, on meurt cet épisode, c'est pas grave, ce sera marrant, on tente des trucs. C'est pas grave. T'en as combien des pommes d'or au total? 14. Free. C'est pas mal. En vrai? Non, t'en as pas besoin. En vrai, tu veux que je te dise un truc? J'aimerais bien une strat. Est-ce que tu peux m'en donner une? Si moi je rush, en vrai, ça peut être pas mal. Et si jamais j'en ai pas besoin, je te la rends, mais on sait jamais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément, t'as raison. Moi, je t'ai même choisi de donner une underpearl. Si tu veux, mais t'en as combien là? T'en as encore? Non, j'en ai plus que deux. Ouais, garde-la bien. Maintenant, ça va plus. Moi, pour moi, je veux vraiment que tu les gardes au cas où tu te fais attaquer. Et là, c'est une situation critique. Vas-y, go. Au pire, on se met niveau 30, on pourra enchanter nos. On a même pas de bonus, tu sais quoi, mec? Attends, je prends la table et l'enclume du coup, au pire. J'ai pris les deux là déjà. Ouais, il faut que ce soit toi qui les ai comme ça au moins. Je les ai.
Au pire, on meurt cet épisode, c'est pas grave, ça fait du bon jeu. On ressort et on chope la couronne en ressortant. La couronne que nous on prend, je veux dire, au moins c'est les autres qui ont pas de cœur en plus. Mais quoi. C'est pour ça, c'est ce que je dis, c'est exactement c'est ce que j'ai dit à Frigel. On tente la stratégie inverse et on prend les couronnes pour pas que les autres aient des cœurs en plus. Pour nous, c'est pas grave, ça apporte pas d'avantage, mais c'est pas grave. Moi, je serais même dans le délire, même pas le Nether, je serais même dans le délire de trouver l'équipe jaune et d'aller leur taper dessus. Là, tu veux là, maintenant, dans leur base. J'avais l'impression qu'ils venaient d'à droite. Moi, j'avais l'impression qu'ils venaient d'en face. Là où on, ouais, là, on est rentré. De toute façon, il y a quoi? Attends, il est gros, lui. Il est là, ok. Moi, je pense que ce sera plus worth d'aller tenter de le fight que. Tu veux qu'on tente le beau jeu tout de suite là maintenant, épisode 5? Moi, je suis chaud. Franchement, vas-y, allez, vas-y. Si Fanon, on le fait sortir de terre, quoi. Vas-y, mais tu sais quoi, vas-y, on y va. Faut juste espérer qu'on tombe sur la bonne base, quoi, et pas sur celle. Au pire, on meurt, c'est pas grave, les gars, c'est le jeu. Et puis, on se sera amusé, on aura tenté des trucs. On aura plus qu'amusé, on aura tenté un move intéressant, si on meurt. De toute façon, on est d'accord que dans notre base, pour l'instant, il y a plus rien là, il y a que le stuff. Non, il y a plus rien. On aura pas fait les bourses molles, quoi, tu vois. Le pire, c'est qu'on y va alors qu'on a même pas les bonus ou quoi. On a rien du tout. Mec, on était censé avoir des bonus, on en a rien à foutre, on y va, vas-y, c'est bon. Ils s'en foutent, ces Romains. Ils s'en foutent, ces Romains. De toute façon, l'objectif du truc, c'est surtout de s'éclater, donc. Tiens, bah. Ça fait une heure, tu zappes mes messages. Normal qu'il y ait zéro grotte en mis sous notre base. En tout cas, ça veut dire qu'on sait que Siphano, il est dans le sol, là, tu vois. Ouais, ouais. Ça, c'est le 0-0. Ouais, ça, c'est le centre, là, tu vois. Imagine, on croise quelqu'un au centre, là. Je crois pas. Mais... Tu n'es pas Romain, Guy, là. Y'a pas quelqu'un là-dedans, là? Moi, je vois. Hein. On irait à quel endroit, là? Franchement, moi, je tente. À droite? Au pire, à tous les coups, tu vois, on va arriver chez les verts, comme par hasard. Eh, mais en vrai, vous voulez pas, on va chercher chez les verts, ils doivent avoir un coffre où ils ont stocké toute l'armure. Attends. Au pire. Ouais, ok. Les jeunes, ils repartaient vers là-bas tout à l'heure quand ils étaient en panique. Ouais, vas-y, on y va. On va par là, vas-y. Allez, go. Psychologiquement, on va faire ça passe quand c'est la panique. Par contre, okay, là, c'est silence. Hein. Ouais, silence. Chut. Chut. Y'a pas de risque, hein. Quoi que si on prend du risque. Go. Moi j'ai le cœur qui bat là. Hein. Moi j'ai juste envie de pisser, j'ai pas le cœur qui bat. C'est... Ah bon bah écoute, chacun ses problèmes. Pas... Ouais voilà, c'est pas la même histoire, tu vois, c'est notre problème, on va dire. Moi je sais que je cours vers ma mort là, donc. Mais non, mais pas du tout, tu rigoles ou quoi, tu cours vers la mort de Siphano, ouais. Ok, on remettra le passage où tu dis ça. On va se faire détruire, je suis sûr. Il va avoir du full protection 3, on va rien comprendre. Hein, c'est bah Sif, ouais, sûrement. Hein. Et eux ils ont ramené une couronne, non c'est après, ça, c'est une ouais, mais eux du coup ils ont deux cœurs en plus à chaque fois. Mais ça c'est une strat en plus. On essaiera de leur casser le coffre à couronne. Non mais gros, arrête, on va se faire ban des records. Rien à faire. On va se faire ban. Je donnerai un coup de hache dessus en espérant le casser. Mais oui, mais toi tu vas le casser, ta team elle est buggée. On va se faire ban de tous les records Minecraft à venir, on va rien comprendre. J'y peux rien. On est toujours pas là. T'es sûr qu'on est dans la bonne direction là? Eux ils ont pas un marécage et tout à traverser. Ouais, t'as vu, ils ont pas. Nous on a des difficultés et tout, t'as vu nous? Regarde. Depuis quand je suis full life moi? Ah, une table de craft. Ah, ça y est, ça commence. Ça va passer. Ah, ça commence. Attention, ah bah, ça commence, ouais. J'attends Roi quand même. Attends, Roi il est où là? Non, mais j'attends, je vérifie, t'inquiète pas, je surveille toute la team. Gerlou. Merci mon Roi. Ah, c'est là les gars, c'est là. C'est les jeunes. Chut. Le faire. Est-ce que ça se casse? Non mais non. Mais mec, si ça... Casse-toi, ça veut pas casser. Yes, c'est bon. Le mec, je retrouve. On va avoir des problèmes, hein. Putain, mec. Ça marchera pas. Enfin, on peut pas casser les coffres dans les bases ennemies. Alors que par contre, nous, t'inquiète même pas que le nôtre il marche pas. Hein. En fait, ouais, mais on peut pas le casser. Mais en plus, c'est moi qui choisis la team rouge, putain. J'aurais pas dû prendre la team rouge. Hein. Bon, ils sont où ces cocos là? Je sais pas, ils sont en dessous, je pense. Moi, j'ai voulu casser leur spawner de cochon. Sinon, on change, on va vers les bleus. Hein. Peut-être que les bleus ils auront plus de. Attends, y a pas moyen de choper une entrée de grotte ou... S'il y avait une entrée de grotte au début avec de l'eau là. En plus, y avait une table de craft à côté. Sérieux? Ouais, regarde, t'as pas vu là. Regarde, une table de craft juste là et une entrée de grotte. Bon, ça là, je l'avais pas vu par contre. On se trouve, ils nous entendent là depuis tout à l'heure. Ils sont cachés. Abonnez-vous, hein, surtout. Y'a pas d'entrée de grotte là, je vois rien. Elle est là, je crois. Ouais, elle est là, regarde ici. Après, théoriquement, si on attend ici, ils vont revenir un jour ou l'autre, hein, mais. Parce que franchement, t'as vraiment envie d'attendre là? Ou alors, on va miner. On va miner, mais dans leur grotte. Oh, j'ai tellement la flemme d'aller miner là, j'ai juste envie de me taper avec les autres. Ouais, mais clairement, moi aussi. Hein. Mais en vrai, sinon, on va vers les bleus, hein. Sinon, tente un truc. Attends, vas-y, je teste une autre solution. Vu que Siphano a dit qu'il y avait pas de grotte en dessous de la base. Si on creuse en dessous de leur base. Ok. C'est quoi? On va couche 20, s'il y a rien, on repart. C'est quoi? Vas-y, let's go. Moi je mine là, rien à faire. Il a dit qu'il y avait que. Mec! Oh, est-ce qu'on ferait pas un piège ici?
un trou ici. Mais comment ça marche? Parce qu'on a ça serait le record parfait pour faire un trap, mais non, on va éviter parce que. En fait, pour faire un piège, tu sais ce qu'il faut? Il faut des fleurs de 2 de hauteur. Pour faire un piège. C'est ça. Ah, oui. Et avec les fleurs de 2 de hauteur, si tu casses le bloc qui est en dessous, le sable il tient, surtout en 1.8. Au-dessus, ça a été corrigé, mais en 1.8 ça marche. Ah, vas-y, on descend. J'essaye de trouver des fleurs, mais ça va être. Non, mais ça va, viens, on y va, on va tenter. Ouais, on va descendre. Sinon, au pire des cas, si vraiment on n'a pas de solution, on fera ça. Avec croix, on reste un peu en haut pour l'instant. Ok, surveillez bien, attention. Hein. Enfin, je vais faire un escalier aussi au cas où. De toute façon, moi j'ai un underpearl, pire roi. C'est relou qui a soufflé. Oui, c'est relou qui a soufflé dans son micro là. Et attendez, c'est jour 6 qu'il y a la couronne? Non. 7. 7, ouais. Parce que 7 là, et 9, hein. Mec, au 5. Mec, le 7. Moi je pronostique que ça se finit aussi, ça. Le 7, je veux dire. Ouais, à mon avis, ouais. Comme c'est parti. La couronne 9, elle, personne l'aura. Pas de couronne à l'épisode 9. Ouais, tu me prends de haut là, c'est ça, Neutron? Je reconnais. Hein. Totalement. C'est ça, là, je reconnais, tu fais le mal, hein, là. Ils sont malinois, là. Bon. Bon, bien, les amis, il y a des caves Fallen Kingdom en dessous, mais je vous avouerai que je pense pas que ça soit vraiment par là. Tu veux peut-être la pioche en diable, ça serait peut-être. J'en ai une, t'inquiète, j'en ai récupéré une. Oula, par contre, je suis pas très serein de ce qui se passe là. Bah, plus pour l'épisode 6, hein, du coup. Salut. Ils sont là ? Et c'est la fin de ce 5e épisode dans le stress. Vous l'avez entendu, mais on vient de nous attaquer à l'instant, pendant que nous étions séparés. Le jeu va-t-il basculer en ce début de 6e épisode? Vous le saurez en regardant la suite dans 2 jours. Donc abonnez-vous, parce que vous l'avez vu, mais c'est à partir de cet épisode 5 que la série a commencé à devenir intéressante. Et vous ne serez pas déçus de la suite. Peut-être. Donc n'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé ce petit kill, et on se retrouve dans 2 jours pour tenter de survivre. Sans oublier que nous n'avons pas de bonus de vie. Ouais, mais j'ai peur de guild, moi, tu vois. Parce que là, c'est guild sur guild qu'on va tomber. C'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça?